Journal du squelette. Un monstre a surgi de la tempête de sable et a arraché notre caravane. Les autres marchands sont morts et je suis moi-même gravement blessé. Ramon, un terrible monstre a attaqué notre caravane. Il a dévoré tous les autres et j'ai bien peur d'être la prochaine. Ma seule consolation est que tu es vivant. Je suis sûr que tu deviendras un jour le plus grand marchand du monde. Adieu mon amour, je t'aimerai pour toujours. C'est bon, elle fait des rimes. Et instantanément, j'ai rien eu le temps de faire. Un arithmomètre. Is this? Et ça, je l'ai vu. That must be it. The thing Ramon was looking for. His last memento of his wife. Voilà, ça serait bien de gagner un point. Un point de pouvoir, ça serait bien. L'avantage de Fang, c'est qu'il y a deux cibles sur le terrain. Ouais. J'y ai pensé instantanément. T'as voulu m'avoir, toi? Tu connais, hein? Pas pour un con. Non. Non, 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 non. Bloqué. Ah. C'est déjà un peu mieux ça. Charge d'ATB N2. Alors là, je suis intéressé. Qu'est-ce que c'est que ça? Recharge la charge d'ATB, les dégâts subis pendant une charge sont augmentés. D'ailleurs, tu te souviens du dragon dans le 13-2, Nebula est un reskin du mob avec les mêmes attaques de base, hein, beaucoup plus difficile. Nebula, c'est celui que j'ai tapé tout à l'heure, c'est ça? Mmh.
Allez. C'est bon, j'ai 4 points. Eux aussi, ça devrait pas tarder, la mort. Allez. Oui, je le veux. Un foulard en soie. Vitesse ATV plus 15. Ouh. Mourir le thème de la tour, je te déteste tout mon nez. Aïe aïe aïe, coup dur pour le thème de la tour. Il veut lui. Il veut ma photo? Faut que j'aille pas haut, faut que j'aille vers la droite. T'as vu le squelette de l'Adamant Kellon? C'est là où je me suis bloqué en me cachant, non? Une idée. Cette graine d'âme, c'est impossible. Et pourtant, je l'ai fait. C'est pour vous, les viewers. Ici, on régale. D'accord. C'était le cimetière qu'on avait croisé. Ah, je peux gérer. Keep up if you can. Ça, il y avait un carburant dessous. Dessous quoi? Dessous de table. Et bah c'est le tout droit, hein. Plus les lézards. Les lézards. Les lézards. Ah oui, les petits lézards. Non. Flemme. Oh, ok.
Putain, c'est ma dernière. Donc 3. Et genre... Les objets non expertisés t'intéressent plus. Si. J'ai oublié. J'avais ça. Ah, une deuxième tablette identique à celle que j'avais déjà. Et là, c'est le drame. Juste passer en fait. Ah, je pouvais pas passer. Mais super, je lance la seule attaque où il est immunisé. Qui m'était pas destiné, je kiffe. Là, je kiffe ma race. Comme disent les jeunes. Trop bien, la lenteur. Genre. Ok. Hop là! Tu t'esquives! Forcément. Ça existe aussi, hein. J'adore quand la caméra me montre un mob et pas l'autre, et du coup je me prends des coups. Time to repent.
Tentez. Une queue de phénix, ça coûte rien. Voilà, il manquait une attaque. Ça existe aussi, mais tu leur enlèves 25% de leur vie et ils sont passifs pendant quelques secondes. Donc c'est worth le try. C'est quoi la question qui allait avec? Les streamers sur ce jeu, ils sont tarés, ils font en sorte d'arriver à 5h59 devant les tablettes. Et ça, pas besoin de remonter. Effectivement, c'est un peu dangereux. Hein, hein. Bah, du coup, allons là. Est-ce qu'on n'irait pas d'abord à la gare? Oui, oui, rends-moi une queue de phénix, j'en ai besoin. Oula, alors, ça, c'est fait. J'ai tué assez de méga groudons. Ça, c'est fait. J'ai gagné un pins, je suis super content. Orgueil et obstination. J'ai gagné des crânes. Bon bah ça je l'ai réussi sans trop vouloir. Une épée. Un bouclier. Finalement c'est intéressant. Une épée, un bouclier. Et ça c'est quoi? Si, ah c'est terre. Non bah non. Non, non, non. Non, non, non. Alors, épée machin, et ça... Là, il y a de la magie. Je perds des PV, mais... Gagne en stats. Je prends. Ouais, ouais, ouais. Ok. Les vendeurs vendent de nouveaux trucs aussi. Comment ça? Tu mens? Tu mens beaucoup? Même si tu le fais pas pour la route, c'est des quêtes très utiles. Avec tes mains, oui. Du coup, là, il faut que j'aille truc là au nord. Ah. Au nord de la portion de désert où je suis, c'est-à-dire le sud de la map. Ils vendent de nouveaux trucs dans les zones indiquées. Et pas tous. Ah bah. Compliqué cette histoire. Moi, je suis là. C'est pas en haut. Allô? Ouais, d'accord, je suis.
tout allait super vite, je peux pas te dire les zones concernées. Pas grave. Est-ce vraiment primordial? C'est pas exactement. Ok, c'était porte nord quand même. Ah oui, parce que là je ne vois pas le Pampa, mais c'est parce qu'il est dans. Il est sous terre. Je m'attendais pas à pouvoir TP là-dessus. Au passage, quand tu auras ouvert toutes les routes, on aura un monde complètement ouvert. Non. Quand même les temps de chargement. Les transitions, non? Que là, ça finit comme ça. Ah, quoique, ça finit vachement droit quand même. Et on snowboard. Plus de temps de chargement, on part à 6 heures. Hein, okay. Why would you want to summon the souls of the dead? What exactly are you planning on doing with the Clavis? Me? I'm not the one who wants the damn thing. I wouldn't even know what to do with it. It's Vanille who needs it. For some reason, when we woke up from the crystal, she picked up some strange new ability. Now she hears the voices of the dead. She says she can pick up on all the feelings of those souls that are trapped in the chaos. According to her, it's like listening to a thousand different voices all crying out at once. And she's the only one who can hear them. Or something. And that power is exactly why the Order became interested in her. If Vanille gets that holy clevis, and she uses it, she should be able to call all those souls to her. So the Order plans to gather all the souls of the dead? Why? To save them? Come on, it's me you're talking to. No need to play stupid. You ought to know. You're here under their orders, aren't you? High and mighty savior. I wouldn't assume anything if I were you. I'm not here for the Order. It seems like you don't see eye to eye with them, though. Care to share? That's a story for later. Come on, we're wasting time we don't have. If the Seculars snatch up the Clavis first, I'd never forgive myself. Tu parles à Vanille, tu peux lui poser des questions sur les différents personnages du 13. Ok. It's got something good behind it, or I'm not a bandit. I'm thinking that maybe a savior can get it open. Let's go see what you can do. I'll let you know when we're there. Notamment pour le clavis, c'est le départ de fond. D'accord. Don't rush inside like a fool. There's nowhere to rest in the ruins if you get hurt. Sure, there are shortcuts back up to the surface, but most are sealed. Thanks for letting me know. But every last one seems to be blocked by some mysterious force. Ça c'est bien, ça, un petit épée. Maybe I can undo those seals too. You had better. Why else do you think I let a slacker like you into my prestigious gang of ne'er-do-wells? Because I use my head. Like noticing that if we open up all those doors, we're inviting the Order to walk right in too. Ugh, and most likely will.
Those Sekidas live just to get in my way, I swear. Annoying little bastards. We'll just have to find the Clavis before they hear that we're in then. J'ai une cravate de garde. Essence physique, c'est 1%, ouais, bof. Ah. Remember the details of each door. This kind here is what we call a time door. You've got to be careful around these things. It'll open on its own, or close with you inside. All based on the time of day. Even that route that we just came along will be sealed off at a different time of day. You could end up having to take the long way around, or get sealed in the ruins. Les ruines des dunes de la mort comportent de nombreuses portes minutées qui s'ouvrent et se referment suivant un cycle d'une heure d'intervalle. Chaque porte est surmontée d'une sorte d'horloge colorée qui marque ce cycle. Bleu, porte ouverte, indique le temps avant la fermeture. Rouge, porte fermée, indique le temps avant l'ouverture. Tenez bien compte de ce cycle pour éviter de vous faire enfermer dans certains endroits et de perdre un temps précieux. Très bien. Qui était de dos. C'est que la surface souterraine de la Suisse est aussi importante que la surface habitable au-dessus. Those two were bound by something stronger than family. I can't imagine what would have made family. I'm getting strange readings from within that skeleton statue. If you destroy the statue, you may find treasure or find yourself deep in skeletons. If you take them on without any sort of plan, you may find yourself in trouble. Proceed carefully. Okay. I've been trying to gather what information I can on these ruins, but it's no good. There are no records left from the time they were built. We don't even know who built them, or why for that matter. You can't even date them with all your technology? Chaos has distorted both space and time. We can no longer trust our scientific measurements to be accurate. I thought it might help you find the Clavis if I could find out more about who built these ruins and why, but it looks like that's simply not possible. Okay, petite pause. Vas-y, c'est des nains en vrai. Et oui, il y a bien des missiles dans les montagnes. Il y a des... Enfin, pas le bon terme, mais il y a aussi de la dynamite au niveau des ponts. Quel bon office de pute, je suis bloqué. Pire timing. T'as dit de faire gaffe et tu tombes dans le premier piège.
Non, mais c'est pas grave. Une heure de passé. La porte est ouverte. Trop facile en fait. Ah putain, j'avais pas vu le dernier, il m'a keblo. Du poison, c'est possible ça de crever du poison, je sais pas. Ah non, mais il va des pop, bah, inchallah. Ah, c'est bon. Pas pris sa leçon avec les flancs, question débile, pourquoi Fang utilise garde vitale alors qu'elle a TV infini? Elle fait genre. Voilà, et donc là, meilleure rentabilité, j'utilise un rétablissement, boom, full life. Non mais, connasse. Well, hell, it's been hundreds of years since the days we fought together, as Lassie. And before we met, I was stuck in another damn crystal. I've been asleep more than 1,000 years of my life. I did the math. Quelle vie de merde. I think that makes me the oldest hag on the planet. Not that I'll ever act my age. Wouldn't be much fun. Nice. Bon, là on sait ce qui nous attend derrière cette porte là. A chaque fois que je fais ce jeu, je sais jamais si j'ai récupéré tous les coffres ou non dans cette zone. Tu m'étonnes. Elle est mauvaise. Evil has a price.
trop bien d'avoir Frank devant là qui fait l'appât. Sora, j'ai dormi un an, Fang, petit joueur. Utilement. Après, nous n'oublions pas que nous jouons à Akash. Kame de Nacre. Venteur 2. Là. Hop, esquive. Yes. Donc là, on sait qu'il y a un mob à droite. Okay. Ça cache. Je peux pas m'exterminer une deuxième fois, fait que ça. Non, c'est vrai. Bah, c'est un peu Kingdom Hearts. C'est la même personne qui a bossé sur les deux jeux. Enfin, les deux sagas, on peut dire. Là, on récupère des âmes, mais c'est un peu comme récupérer des cœurs. Il y a un morceau du cœur de Lightning qui a été pris et c'était l'âme de le souvenir de Sera, j'allais dire Sora. Ça ressemble quand même vachement à Cash. Nomura, ouais. Certaines portes des ruines des dunes de la mort sont marquées d'un symbole rouge quand une de ces portes vous barre le passage. Cherchez à proximité l'interrupteur. Très bien. Eh bien, on va s'arrêter là. On a bien avancé, je suppose. Je sais même pas où on en est dans la quête principale. On en est à l'étape 3, ok, c'est pas mal. Vu qu'on a. Là, on a fini ça, il faudra juste repartir voir Saz. Et voilà. Enquête secondaire, on en a quelques-unes, mais. Alors, ça, je peux lui ramener. Là, lui, Ramon. Je peux aller lui parler. Et lui, je peux pas les faire. Non, en vrai, c'est pas mal, je trouve. On a bien avancé. Donc, on continuera et on verra comment ça va se passer. Faudra aussi retourner voir Micheline à Yousnan. Ouais. Et aller entre 15h et 17h chercher le truc pour l'autre. Bref. Voilà. Donc des bisous. À demain pour la suite. Si j'arrive à dormir cette nuit. Des bisous.